Le sujet qui préoccupe Misereo depuis quelques années et qu'elle essaie de transmettre aux partenaires est celui-ci. Comment pouvons-nous orienter davantage notre action, non à ce que nous faisons, mais à ce que nous obtenons, aux effets que produisent tous nos efforts? En tenant compte des effets obtenus, on peut mieux organiser le travail parce qu'on sait alors ce qui marche bien, ce qui peut être continué. Pour ce qui ne marche pas bien, ce qui ne mène pas au résultat attendu ou ne mène à rien du tout, pour ne pas dire un mauvais résultat, il faut alors changer de stratégie. Waigouya, dans la région du Sahel, au nord du Burkina Faso, Misereo collabore depuis de nombreuses années avec l'organisation partenaire locale OCADES. Augustin Badiel et Emmanuel Savadogo se rendent dans une des nombreuses communautés villageoises. Le projet de Misereo a trait en première ligne à l'eau et au développement agricole. L'eau manque dans cette région. La gestion de cette ressource est d'une importance capitale pour les gens. Ces années dernières, le projet d'OCADES a mis l'accent sur l'hygiène. L'eau sale provoquait dans le passé de graves problèmes sanitaires. Des récipients fermés, neufs avec un robinet intégré, ont pu remédier à ce problème. Ok. Prends le gobelet, plonger dedans. Avant, les canaries étaient ouvertes, des salités et des animaux se mélangeaient à l'eau et étaient bues. Un petit changement qui a eu de grands effets. La fréquence des maladies a nettement diminué. Pendant la visite des chargés de mission de Misereo sur place, on dresse un bilan positif. Donc, présentement, nous sommes en train de démarrer la nouvelle phase et nous sommes au troisième jour aujourd'hui de collecte de données dans ce village-là. Et aujourd'hui, la dernière étape, c'est essayer de voir l'hygiène autour des points d'eau, de l'hygiène de façon générale. Donc on a vu par exemple l'hygiène des points d'eau, l'hygiène des récipients que les femmes utilisent pour le point d'eau, la chaîne de l'eau, c'est-à-dire du forage jusqu'à la famille, comment c'est géré, est-ce que c'est couvert, est-ce que c'est pas couvert. Réunion sur la place du village. Les visiteurs allemands accompagnent l'OCADES dans son travail quotidien. Des échanges avec la population locale sur ce qu'on a atteint et ce qui est planifié à l'avenir. Comment est-ce qu'on peut mieux utiliser l'eau pour les deux objectifs, production agricole et eau potable? Comment est-ce qu'on peut motiver les groupes à mieux s'organiser autour de la production? Ici au Burkina, on avait mis particulièrement l'accent sur la composante technique de la question de l'eau. Au cours des dernières années, on s'est focalisé beaucoup plus sur le domaine de la production. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce que les gens développent le savoir-faire nécessaire pour une meilleure production? Souvent, l'investissement nécessaire pour obtenir des effets n'est pas si important. Des pierres alignées pour former une diguette aident pendant la saison des pluies à diriger l'eau vers les champs, là où elle est nécessaire. Mais c'est là que les problèmes commencent, car dans cette région, il n'y a pas de pierres. OCADES organise alors le transport avec un camion et vend les pierres aux paysans à un prix très bas. Ce système fonctionne. Quand l'eau va s'écouler, les diguettes vont la freiner. La ralentit et elle va s'infiltrer. En plus, toutes les saletés que l'eau transporte vont rester au niveau des diguettes. Et ça va permettre aux arbres de repousser. Non seulement les arbres vont repousser, mais l'eau qui va s'infiltrer dans le sol va bien mouiller la terre et quand je vais la cultiver, mes rendements vont augmenter fortement. Nous sommes vraiment satisfaits parce que nous avons de bonnes récoltes et qui nous permettent de nourrir notre famille. Soumaïla Tao sait de quoi il parle. Depuis qu'il participe au programme de Misereo, sa récolte de mil a doublé. Il nous montre tout fier son grenier plein de mil. Le prendre pour le donner aux femmes, par exemple.
Le premier effet important de cette meilleure récolte est que sa famille ne doit maintenant plus souffrir de la faim. Comme je n'ai maintenant plus besoin d'acheter des céréales, j'ai de l'argent pour m'occuper d'autres choses nécessaires, comme par exemple de la santé de mes enfants et des autres membres de ma famille. En plus, j'ai aujourd'hui la possibilité de faire face à d'autres dépenses telles que la scolarité de mes enfants. Ce sont quelques-uns des effets que je peux citer. Bien sûr, ce sont les personnes concernées qui profitent en premier lieu du succès de ce projet. Les effets sont-ils donc toujours au centre du travail d'organisations telles que OCADES? Pour être honnête, il faut dire que cette attention portée aux effets directs et impacts, c'est une chose que Miséror a initiée, car nous avons constaté pendant des années, pas seulement ici, mais aussi dans d'autres programmes, que les rapports reçus se focalisent surtout sur les activités. On fait un rapport sur ce qui a été réalisé, c'est-à-dire sur les activités. Tant de formations ont eu lieu, tant de puits ont été construits. Mais en fin de compte, ça ne disait pas grand-chose des effets réels, des processus de changement escomptés dans le village. Les effets de dissémination peuvent être des éléments importants dans les projets de développement et constituer des effets non planifiés. Quand un maraîcher obtient de bons résultats avec les diguettes, il se peut que d'autres l'imitent. Parce que vous comprendrez que pour commencer là, tout ce qui est nouveau, généralement, il y en a qui sont réticents. Et il faut des leaders, des gens qui sont volontaires, qui acceptent et qui donnent l'exemple aux autres. Donc sinon, généralement, quel que soit par exemple les diguettes, vous avez toujours des gens qui sont réticents. Et des paysans leaders, des volontaires vont commencer et les autres vont voir les résultats concrets et ils vont s'y mettre. L'hygiène domestique autour de l'eau a été améliorée. Il reste néanmoins un problème dans beaucoup de villages. Comment transporter l'eau du puits jusqu'à la maison? Dans le cadre du projet, l'OCADES a mis des charrettes à la disposition de quelques femmes. Comme ça, elles peuvent transporter 4 bidons en même temps à la place d'une seule cuvette sur la tête comme avant. La corvée d'eau est un travail lourd et pénible. Les récipients qu'il faut souvent hisser d'une profondeur de 10 à 15 mètres pèsent entre 15 et 20 kilos. Les hommes préfèrent ne pas s'en mêler. Avec le temps, les femmes ont mal au dos. Une simple charrette, une petite mesure, a grand effet. Pour moi, c'est très avantageux parce qu'avec la cuvette, j'avais mal à la nuque et dans le bas du dos. Maintenant, je ne la porte plus sur la tête. Donc, en matière de santé, ma situation s'est améliorée. Autrefois, pendant l'hivernage, je devais faire 4 ou 5 va-et-vient au puits avant d'aller au champ. Et ça me prenait beaucoup de temps. Maintenant, avec la charrette, je ne fais plus qu'un seul voyage pendant la saison des pluies et je gagne du temps pour aller m'occuper de mes cultures. Plusieurs femmes qui gagnent du temps sur la corvée d'eau sont même maintenant scolarisées. À moyen terme, plus d'éducation entraînera une amélioration de la vie de ces femmes. C'est un effet indirect de la charrette. Le renforcement du rôle de la femme dans la société était visé dès le début dans le projet de Miséror. Dans un autre village, OCADES travaille avec les hommes dans les champs. Il faut installer un système de tuyaux pour irriguer les champs où les paysans cultivent des oignons. Comme il pleut seulement pendant quelques semaines de l'année, il faut exploiter l'eau disponible le plus efficacement possible.
Je vois que ça a changé beaucoup de choses chez moi. Le CADES, le projet de gestion de l'eau, nous a amenés dans d'autres villages. On a vu que ce que d'autres faisaient et ça nous a permis d'améliorer nos connaissances et les techniques de production que nous utilisons. Je vois en tout cas qu'on produit mieux et ça nous a permis d'augmenter vraiment les revenus de nos familles. Il savait ainsi que le projet de la culture maraîchère génère plusieurs effets. Au départ, pour nous, le maraîchage doit participer à la lutte contre la pauvreté. C'est-à-dire que ça doit contribuer à se procurer de l'argent pour les exploitants maraîchers. Ça, c'est un premier objectif. Le deuxième objectif, c'est l'amélioration de l'alimentation de la famille. C'est-à-dire une partie doit être vendue, c'est vrai, pour avoir de l'argent. Mais une autre partie de la production doit être dans l'alimentation de la famille. Donc c'est pour améliorer un peu le quotidien au niveau des familles. Je pense que c'est bien suivi. Ici, on avait mis la barre à 20 000 francs de bénéfices au moins par an comme indicateur. Mais je pense qu'ils l'ont dépassé. Ils sont autour de 39 000 francs de bénéfices. Dans la perspective de Miserio, cette priorité mise sur l'orientation vers les effets directs et les impacts ne constitue pas une stratégie complètement nouvelle. Le but est de rendre le travail plus efficace encore. Il doit porter encore plus de fruits. D'abord, les responsables de programme doivent définir clairement pour eux-mêmes où est-ce que nous voulons arriver avec les groupes, comment mesurer les effets que nous atteignons avec eux. Et comment organiser tout cela de manière participative? São Paulo, la métropole brésilienne. Une population de 17 millions vit dans un espace très étroit. Vanessa Santos Silva en route pour son travail quotidien. La jeune femme de 26 ans travaille dans le centre social Nossa Senhora Bom Parto, partenaire de Miserio de longue date. Et agora, o que vocês vão fazer? Tudo bem? Les enfants qui viennent chaque jour au centre sont tous issus de familles défavorisées. Le chômage, la drogue et les violences domestiques marquent souvent leurs enfances. Là, ils trouvent un espace protégé, un projet aux effets immédiats. Tout le monde est en train de faire comme ça. Les crianças, elles viennent ici. Muitas vezes. Ces enfants proviennent de maisons et de familles au contexte très difficile. Quand ils débarquent chez nous, ils trouvent un endroit différent. Ils trouvent de l'affection et des gens qui les aiment tels qu'ils sont. Et les changements que nous apercevons sont qu'ils s'engagent et assument des responsabilités. Ça fait déjà un certain temps que je suis ici dans le projet. Avant, j'allais simplement à l'école. Ma mère travaille beaucoup et elle voulait que je m'occupe après les cours dans un bon endroit. J'aime être ici et j'y apprends beaucoup plus sur la vie qu'avant. Un repas chaud, un lieu en sécurité, une occupation sensée. L'organisation partenaire de Miserio offre ici aux enfants ce dont tout homme a besoin pour vivre et contribue ainsi à la paix sociale. Les collaborateurs du Bom Parto s'assurent eux-mêmes régulièrement des effets que la participation à leur projet provoque dans les familles concernées. Ainsi, par exemple, chez Fabiane. Souvent, l'après-midi, Vanessa circule aussi pour faire des visites à domicile dans les favelas.
Elle est également issue d'une famille pauvre et elle a aussi participé au projet du centre social dans son enfance. La mère de Fabiane élève seule ses 3 enfants. Depuis que ses enfants participent au Bon Parto, elle a du temps l'après-midi pour travailler. Le petit salaire aide la famille à joindre les 2 bouts. Nous demandons à la mère de Fabiane ce qui a changé chez sa fille depuis qu'elle est dans le projet. Le temps qu'ils passent là-bas n'est pas du temps perdu. Ils apprennent beaucoup de choses et sont bien éduqués. Avant, ils passaient leur temps devant l'ordinateur et n'avaient que des bêtises en tête. Là, au projet, ils apprennent beaucoup de choses. Pour moi, le fait qu'ils puissent y aller est très important. J'ai changé depuis que je m'engage au Bon Parto. Je trouve ça vraiment super et je remercie Dieu de m'avoir permis d'y aller. Les enfants et les jeunes du Bon Parto participent une fois par an à une manifestation pour les droits des enfants. Fabiane et Vanessa y vont aussi. Le centre social Bon Parto comprend plus de 60 institutions à Sao Paulo. L'engagement en faveur des jeunes et des enfants constitue l'axe essentiel du travail. Mais il existe aussi plusieurs projets pour personnes sans domicile fixe. Ainsi, le partenaire de Miserior entretient dans un autre quartier de la ville un centre pour sans-abri situé au-dessous d'un pont. Près de 20 000 personnes vivent dans la rue à Sao Paulo. Ce n'est pas un chiffre exact, plutôt des estimations officieuses. Là, c'est un travail social au sens classique qui est réalisé. Les effets immédiats sautent aux yeux. Les gens qui viennent ici ont faim. Ils veulent se reposer du combat quotidien de la survie dans la rue. Ils veulent se laver et rencontrer d'autres gens dans un espace protégé. Les effets à long terme pour chaque individu sont difficiles à prévoir. Ça dépend en grande partie de chacun. La maison offre un espace d'accueil à ces gens et elle leur rend leur dignité. Pour que ces personnes retrouvent confiance en elles, qu'elles se sentent acceptées et respectées. Dès que nous accueillons ces gens, ils se mettent à chercher de nouvelles possibilités pour abandonner la vie dans la rue. Dans ce contexte, nous offrons pas mal de choses, telles que des formations, un accompagnement social, médical et psychologique. Ce qui change pour chaque individu est intégré dans la saisie des effets directs et des impacts. Ainsi, on peut, au bout de quelques années, constater quelles offres sociales ont abouti à quel changement. Dans un garage de Bon Parto, filles et garçons sont formés côte à côte. Une approche quelque peu inhabituelle au Brésil. Pour la directrice du projet, Marilda Santos, il ne s'agit pas seulement de donner une qualification à des jeunes, mais aussi de surmonter le sexisme et le racisme dans la société. Il y a toujours du racisme. Quand on est noir et de plus une femme, on fait encore aujourd'hui l'objet de grandes discriminations dans la société brésilienne. Et le seul moyen de dépasser cette situation, c'est de savoir qu'on est à même de s'imposer grâce à ses capacités face à la concurrence, à même de pouvoir réussir sur le marché du travail et d'être aussi efficace que tous les autres. Qui est tant bon quanto você. Entre-temps, les jeunes ici ont vraiment compris ça. Même la directrice du garage est une jeune femme. Les effets pour les jeunes ici et aussi pour moi-même sont vraiment incroyables. Ici, toute la vie change. Alan Alves, 17 ans, ne fait plus partie du projet. Mais il vient quand même 2 fois par semaine parce qu'il veut continuer à apprendre. Et parce que ses anciens camarades lui manquent, ce qui arrive assez souvent au Bon Parto. Le projet a eu une grande influence dans ma vie et cela continue toujours. Il m'a beaucoup aidé. Je voudrais bien continuer. C'est tout simplement super pour moi.
Está sendo muito bom para mim. Alan travaille maintenant depuis plusieurs mois dans une entreprise d'hydraulique à l'est de São Paulo. Un succès très concret des efforts de placement du projet Nossa Senhora Bom Parto. L'après-midi dans le quartier d'Alan, un des effets du projet de Misereo est tout ce qu'on ne voit plus ici. Des trafiquants criminels et des jeunes toxicomanes, remplacés par des enfants qui jouent. Nombre de jeunes qui vivaient dans la rue sont accueillis dans le garage de Bom Parto, où l'ont déjà quitté. Ainsi, la qualité de vie de tout un quartier s'en trouve améliorée. C'est sûr, nous pouvons aussi servir d'exemple pour les jeunes et les enfants. Eux aussi pourront choisir un meilleur chemin pour leur vie parce qu'ils se rendent compte que la drogue et la criminalité ne sont pas des voies d'avenir. Elles n'aident pas pour la vie future. C'est pour ça que je crois que ce qui se passe ici aujourd'hui peut servir de bon exemple pour beaucoup de gens. Le projet a commencé ici il y a 11 ans. Pendant ces 11 ans, nous avons vu passer quelques 2000 jeunes chez nous, tous issus de ce même quartier. Beaucoup d'anciens toxicomanes ont aujourd'hui un travail normal. Pour saisir les effets à long terme, les collaborateurs de Bom Parto rendent visite à leurs protégés chez eux, même après leur départ du projet. Quel effet la formation du jeune a-t-elle entraîné au sein de la famille? Quelles conséquences les changements ont-ils eu dans le voisinage et dans le quartier? Les préoccupations de Bom Parto se recoupent déjà aujourd'hui avec la saisie des effets recherchés par Misereo. Nous avons évalué les effets du projet au cours des 3 dernières années. Le taux de réussite est élevé. On peut arranger un emploi à plus de 75% des jeunes. Cela signifie que les objectifs et les méthodes du projet marchent bien et que nous atteignons ce que nous nous sommes fixés avec les bailleurs de fonds. C'est un projet très viable et qui peut provoquer un petit changement dans la société. Le père Charlie Bouros, en Indonésie. Depuis de nombreuses années, ce prêtre engagé et son organisation Yayasan Social Bina Seyatera sont partenaires de Misereo. Ils conseillent des associations d'entraide et des organisations de développement dans les régions rurales. La région est partiellement difficile d'accès. Il n'y a que quelques voies de communication. Pourtant, elles sont absolument nécessaires pour pouvoir commercialiser le riz local. C'est la raison pour laquelle les infrastructures sont une composante importante du projet soutenu par Misereo. On transporte des pierres d'une carrière située à proximité pour que les gens puissent construire une route. Ce sont les gens qui doivent construire eux-mêmes la route. Les pierres non plus ne sont pas gratuites. Elles doivent être payées par les paysans. Ils savent qu'un tel investissement est valable dès lors qu'il leur permet de commercialiser leurs produits. Là où l'on a déjà terminé les routes, le commerce prospère. A road is the most important economic. La route constitue l'appui économique le plus important que l'on puisse donner aux gens. Tu ne peux rien vendre si tu n'as pas de route pour transporter tes marchandises. Les riverains ici construisent les fondations de la route. Ensuite, nous transportons les pierres et le gouvernement fait le revêtement de la chaussée. Les gens prennent en charge 50% des coûts en fournissant l'essentiel du travail. Cette route va nous apporter le progrès. Avec cette route, nous aurons tout simplement une vie meilleure. La centrale de l'organisation du père Charlie à Chilacha.
Misérion organise des ateliers en Afrique, en Amérique latine et en Asie pour cerner encore plus la question des effets. Comme ici en Indonésie, on discute dans le monde entier avec des partenaires et des conseillers locaux comment améliorer l'avenir, la saisie des effets directs et indirects. Jusqu'à présent, nous réfléchissons le plus souvent aux activités que nous voulions mener. Maintenant, nous cherchons à réfléchir davantage aux changements qu'un projet peut voir au bout de plusieurs années. Voilà ce que je voudrais apprendre ici au cours de ce séminaire. L'après-midi, les participants du séminaire visitent un projet concret sur place. Ici aussi, on travaille ensemble à la construction d'une route qui doit contribuer à l'amélioration de la commercialisation des produits locaux. Le père Charlie Bourros explique aux participants l'importance de la saisie des données et du suivi régulier. C'est le seul moyen de vérifier si le projet est sur la bonne voie. Nous espérons que les participants de l'atelier se rendent compte du fait que l'on a besoin de données pour pouvoir décrire et documenter les effets vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis d'une organisation donatrice. La situation ici le montre clairement. Il y a eu plusieurs étapes. En creusant la boue, on a construit une route qui a rendu possible des lotissements qui ont rendu possible des rizières et qui ont apporté l'électricité. C'est une chaîne de causalité qu'on peut observer et photographier. Les effets, on peut les cartographier et en faire des statistiques. Chaque projet peut aussi avoir des effets et des impacts négatifs. Il se peut que des conflits naissent avec les villages voisins, jaloux de ne pas voir tout de suite de progrès chez eux, ou la population locale relâche ses efforts dans la recherche d'aide auprès du gouvernement et se repose sur le partenaire local. De tels changements négatifs doivent aussi être recensés dans la saisie des effets directs et des impacts. Ensuite, si cela est nécessaire, on peut intervenir. Mais ici, les effets positifs prédominent. De grands progrès ont été réalisés dans la cohabitation sociale. Chrétiens et musulmans vivent étroitement ensemble et ça ne s'est pas toujours passé sans problème. Grâce à l'engagement commun pour la construction de la route, les groupes de population ont appris à se connaître et à s'accepter l'un l'autre. Cet atelier commun est la preuve de cette nouvelle coopération. Cet effet était prévu dès le départ. Au début, nous avons pensé que c'était un projet de l'Église et qu'une organisation chrétienne voulait y propager sa foi. Mais nous nous sommes très vite rendus compte que ce projet était là pour tous les gens de notre région, que les chrétiens et les musulmans pouvaient y travailler ensemble, ce qui était une expérience toute nouvelle pour nous. Un autre projet en Indonésie. Sur l'île de Flore, le partenaire de Misérion, Veko, a démarré avec les paysans une agriculture de type biologique. Veko accompagne les paysans et soutient toute la chaîne de commercialisation. Pour le riziculteur Johannes Ame, beaucoup de choses ont changé grâce à la culture biologique. Pour lui, les produits chimiques sont maintenant tabous. C'est vraiment formidable. Depuis que nous pratiquons l'agriculture biologique, le sol s'est beaucoup enrichi et il est plus fertile. Et les plantes de riz poussent beaucoup plus haut qu'avant. Pour Johannes Ame, l'alimentation de sa famille est la priorité absolue. Ses revenus ont énormément augmenté grâce à la reconversion à la culture biologique et à ses prix de vente plus élevés. Et la participation au projet a encore beaucoup d'autres effets. Avec l'argent supplémentaire que je gagne suite à la reconversion de l'agriculture, je peux faire quelques économies et acheter de la terre. En plus, ma famille s'agrandit, alors il faut que j'agrandisse aussi la maison et, bien sûr, que je paye les frais de scolarité.
L'augmentation de revenus a eu un autre effet capital pour Johannes Ham. Il a pu acquérir son propre moulin à riz il y a 2 ans. Cela a eu 3 conséquences. Il ne doit plus rien payer pour moudre son riz. En plus, il a d'autres sources de revenus en prêtant le moulin à d'autres paysans. Et ce développement a encore un autre avantage. Nous avions déjà autrefois une machine chez nous, mais maintenant j'ai ma propre machine et je peux garantir que c'est seulement du riz bio qui est moulu avec cette machine et qu'il n'y a pas de substances chimiques qui entrent dans notre riz. La condition préalable pour l'agriculture biologique, c'est l'engrais organique. Johannes Hamel ne le produit pas seul. Il est devenu membre d'une coopérative dans laquelle les paysans se sont associés. En coopération avec Veco, l'initiative qui s'appelle Atom s'occupe de la commercialisation des produits et du développement de l'agriculture biologique. Le renforcement des petits groupes locaux, c'est pour Misereo un élément central dans la coopération pour le développement. Quand les paysans vendent leurs produits tout seuls, ils n'ont aucun pouvoir. C'est pour ça que nous aidons les paysans à s'organiser en groupe pour qu'ils soient plus forts lorsqu'ils vendent leur riz. Le regroupement dans la coopérative n'a pas seulement des avantages économiques. L'organisation paysanne Atom a suscité chez ses membres une prise de conscience communautaire. Ensemble, on peut compenser des faiblesses et des déficits et résoudre des problèmes. Pour les partenaires de Misereo, cela est au moins aussi important que le succès financier. Depuis plus de 50 ans, Misereo travaille comme partenaire avec des gens et des organisations dans le monde entier. Avec des gens qui veulent améliorer leurs conditions de vie. Parfois, la lutte contre la faim et la pauvreté dans le monde exige des idées et des méthodes nouvelles. Et ainsi, il est important pour Misereo que les partenaires observent les effets de leurs projets, qu'ils les documentent et en parlent avec elles. Le but reste le même, un pas vers un monde plus juste. Et ce pas-là devait être le plus grand possible. La coopération va légèrement changer. Jusqu'à présent, les questions que nous avons posées aux partenaires ne se focalisaient pas exclusivement, mais factuellement sur ce qu'ils avaient fait. À l'avenir, nous leur parlerons plus de changements provoqués par leurs actions et de ce qui change dans la région où ils travaillent ou de ce qui a changé. Et les demandes d'aide qu'ils nous enverront pour un nouveau projet devront prendre en compte cet aspect-là. Qu'est-ce qu'ils veulent changer? Quelles possibilités entrevoient-ils de provoquer un changement? Et dans les rapports qu'ils nous enverront pendant la réalisation d'un projet, ils devront s'occuper davantage de cet aspect. Qu'est-ce qui a changé grâce à l'activité qu'ils ont réalisée et quels sont les changements attendus d'ici la fin du projet et après? Noch weiter ändern.